Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress et Action. Donc on va tout de suite commencer par AliExpress où je me suis fait vraiment plaisir. Alors je sais pas si vous faites du stamping mais moi j'adore ça. Et j'ai trouvé des petites pépites. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors j'ai trouvé des plaques avec des marques. Vous avez Lacoste, Adidas, les livres, Wrangler, Cartier, c'est trop beau. Vous avez Dior, Prada, Mickey, Donald, Daisy, Dingo. Là on a Charlie, Snoopy, c'est trop mignon. Blanche-Neige, je crois que c'est Blanche-Neige. Ah, c'est trop mignon. Ensuite, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça, vous pourrez aller zioter. Alors, j'en ai trouvé d'autres encore. Il y a des marques que je connais pas et d'autres que je connais comme Dove. Tout le monde connaît, je pense. Il y a Givenchy, Guerlain, Chanel. Là, vous avez Chanel, Elixir, Lumi. Giorgio Armani, ah, Yves Saint Laurent et Lancôme. Ensuite, il y en a une autre. Alors là, c'est du Chanel, Ferrari, Coca-Cola, Hermès. Je crois qu'il y en a plein qui seront intéressés là. Voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'en ai trouvé une autre aussi. Qui est pas mal, là on pourrait faire des compos je pense. Voilà, et celle-là, ah, voilà, là il y a des petits shorts, je sais pas si c'est Hello Kitty, Betty Boop, Chanel, en fait, j'espère que vous voyez bien avec la lumière. Voilà pour les plaques avec les marques. Ensuite, j'ai trouvé chez Born Pretty quelques petites pépites aussi. Voilà, des petites compos là. Pour l'hiver, c'est pas mal. Petites étoiles, les lunes, petites notes de musique. Celle-là, c'est une texture pour faire des textures sur les ongles. C'est pas mal. Genre des marbrés, des quartz. Après, c'est à vous d'imaginer un peu ce que vous aimez. Alors, celle-là, c'est plutôt pour Noël. On a des sapins. On a des petits lutins. Une petite licorne de Noël. C'est trop mignon. Une cheminée, le Père Noël. Là, des petites étoiles de neige, là. Pas mal. Bon, là je suis en retard, j'en ai une d'Halloween, mais comme c'est venu assez tard, ça ira très bien pour l'année prochaine. Alors là, on a des arbres lugubres, la forêt, des tombeaux, château, toile d'araignée. Je crois que j'ai même vu une araignée. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Ah là, méchante bête. Alors celle-là, elle fait plutôt dentelle. Celle-là, elle est jolie. Je vous laisse regarder un peu. C'est pas mal. Celle-là, elle est plutôt marrante, comme j'aime les chats. J'en ai deux qui font le bordel là, en ce moment. Alors, elle est chouette, hein. Ah, vous voyez, coucou. Ah, oh, petit chat. Petite patte. Ouais, c'est pas mal. Griffures. Ensuite, désolée, je vous ai fait bouger. J'ai trouvé un lot chez Bing Bang. Beauty Bing Bang. Vous avez la trousse, plus les plaques qui vont avec. Bon, je ne vais pas toutes les sortir, hein. Je vous laisse regarder comme ça un peu. En tout, vous avez 24 pièces pour 20,31 €.
ça fait 24 pièces. Un peu moins d'un euro la pièce, je trouve que c'est géant. Oh, il y a de tout aussi, textures, fleurs, des petites dentelles. Là. Pour Noël, c'est pas mal. Vous avez les effets pulls ou chemises, sur chemise. Pour Noël, là, c'est pas mal ça. Là, des feuilles. Faire des compos avec les feuilles, des papillons, des fleurs. Après, vous avez des tigres. Plein de choses, là, c'est pour Noël aussi, avec les ours de Noël un peu. Un renard. Ensuite, il y a une texture. À l'envers, on ne pourra pas voir comme ça. Là. Là, c'est. Ah non, c'est pas Halloween, c'est un peu de tout, c'est... Vous avez celle-là. Et licorne, pour les fans de licorne. C'est tout mignon. Ça, c'est les textures. Là, c'est les smileys. C'est assez rigolo. Puis là, des portraits de femmes, tout ça. Ouais. Donc voilà, vous avez la trousse et toutes ces plaques pour 21 euros à peu près. Voilà pour les plaques. Maintenant, je vais vous trouver un tampon. Alors, vous avez le tampon avec déjà le. Tampon intégré à l'intérieur. Là, vous avez la petite carte pour gratter. Là, il y en a déjà un dedans. Et en plus, on vous met encore des recharges. C'est pas mal. Tampon, il a coûté 220, pardon. Un peu cher. Hein. Non, 2,20€ le lot. Donc le tampon il est de recharge. Ensuite j'ai pris des gels pour stamper. Alors ça pendant que j'en prends, je sais pas comment que ça, j'ai pas encore testé, donc je sais pas comment que ça fonctionne, enfin que ça fonctionne si, et comment que ça rend, est-ce que c'est si bien, aussi bien qu'avec les vernis. Je vais vous en montrer peut-être un. Ils sont vachement pigmentés et d'après ce que j'ai vu, on peut même faire des traits fins avec. Si vous voulez faire des traits fins, parfaire le dessin, vous pouvez. Il y a un doré, il est trop beau. Il y a de jolies choses avec ça. Ah, ça, c'est du blanc. Ouais. Vous avez de tout. Donc, alors, ça, c'était un lot aussi. Et celui-là, je l'ai payé. Je vous dis ça tout de suite. Alors, 14,13€. Et il y a 11, je crois qu'il y en a 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, 11. Vous avez 11, et c'est des 5 ml. J'ai pris aussi un petit lot de vernis pour stamper. Ceux-là, je les ai pris chez Nicole Diary, ou Diary, je ne sais pas comment. Là, je vous laisse lire, hein. 12,99€, et vous en avez 13. Donc, les couleurs, vous avez noir, violet. Ils sont bien pigmentés. Hein. Moi, je vais pas tous vous les ouvrir. Il y a du jaune. Il est un peu plus foncé que sur la caméra. Il est un peu plus vers le jaune banane. Là, vous le voyez plus vers le citron. Mais là, en vrai, c'est plus banane un peu. Donc, un diamant. Enfin, diamant, qu'est-ce que je raconte. Ah là là, un gris. Blanc, vert, il a une autre couleur aussi. C'est fou sur la caméra, c'est pas les mêmes couleurs. Un bleu clair. Alors celui-là, il est magnifique. Ah, celui-là, il est beau.
J'adore les dorés. Regardez-moi ça. Comme il est beau. On a du rouge. Un vieux rose un peu. Et un rose fuchsia. Alors, ensuite j'ai pris quelques poudres. Des poudres à effet. Alors j'ai pris une poudre rose. Alors. Alors on a une rose. Je me répète. Je vais les ouvrir. Ça c'est. Voilà. Mais par contre, ils mettent pas beaucoup dedans. 99 centimes. Bon, pour le prix, on va pas chipoter. Hein. De toute façon, on en met très peu. C'est holographique cela. Avec celle-là, j'ai pris une rouge. Celle-là, c'est 91. Ça, je crois que c'est plutôt effet sucre. Ben, je sais pas, je verrai. Là, j'ai pris un effet sucre blanc. $0,79. Il a l'air joli. On verra, on va tester. Ensuite, il y a celle-là. Celle-là. C'est comme l'autre, il n'y a presque rien dedans. Le prix, hein, 99 centimes. Et puis celle-là, elle est verte. Ça, c'est les effets miroirs. Par contre, elle est magnifique. Vous ne la voyez pas exactement de la même couleur. C'est dommage. Elle est très jolie. Alors. J'ai trouvé ça aussi. Ça, c'est les néons. Je trouvais sympa. Vous en avez plein pour. Là, je sais pas le prix. J'ai pas retrouvé le prix. Par contre, si je retrouve le lien, je vous mettrai en barre d'infos. Ça, vous pourrez voir. Alors, j'ai trouvé des pochoirs. Des pochoirs. Je sais pas, j'ai jamais utilisé ce style de. Je sais pas si ça marche avec le vernis semi-permanent. Je sais que il y en a, ils l'utilisent avec le simple vernis quoi. Donc peut faire des formes, je pense. Enfin, je connais rien ça. Je testerai et puis je vous en donnerai des retours. Alors moi mes pinceaux je les prends chez Aki. J'aime trop leurs pinceaux. Ils sont de bonne qualité et c'est pas cher. J'ai d'ailleurs déjà pris des pinceaux, je voulais vous les montrer. Ceux-là, je les ai achetés il y a quelques mois et m'ont coûté. L'unité m'a coûté 1,88€. Non. Ceux-là, c'est pas. Ils m'ont coûté 2,66€. 1,88€, c'est ceux-là. Ça, c'est les tout fins. Voilà. C'est pour vous montrer comment ils sont fins. Si vous arrivez à voir. Voilà celui-là. Alors pour l'autre, il faut que je regarde ce qu'il a. Alors, pour ceux que je viens de m'acheter, pour faire un peu de, je dirais pour faire un peu de on stroke. Un peu plus fin.
88 celui-là. Ah, celui-là. Pour les petits détails, il est pas mal. Celui-là. Je pense même qu'on peut les prendre pour l'aquarelle. Et puis il y a celui-là. Tout celui-là pour l'aquarelle. Ensuite, j'ai trouvé une petite pépite. Voilà. C'est un petit. Je dirais que c'est un petit plateau. Pour faire les photos. Vous pouvez poser vos capsules à l'intérieur. On va les attraper. Je vais vous montrer. Alors, ça, vous posez vos petites capsules. Bon, celles-là sont un peu grandes, hein, 9. Voilà, pour faire vos petites photos. On va prendre celle-là. Ça va faire le. Voilà. Ça. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Voilà, comme ça, vous pouvez faire vos petites photos. Je trouvais ça mignon. Un petit plateau, il a coûté 1,64€. Ensuite, j'ai pris un plateau en genre quartz. Un plateau, on peut le prendre pour les photos, on peut le prendre comme palette. Désolée pour le bruit. Voilà, c'est pas mal. Celui-là, 2,88€ hein, pour faire les photos. C'est pas mal, je trouve. 2,70€. Ensuite, j'ai trouvé des supports pour les entraînements. Ah, pour ces supports, c'est 1,64€ les deux. Ce qui est bien, on peut les détacher. Sont détachables si j'y arrive comme ça. Enfin, on peut les détacher, hein. Je vais pas commencer parce que voilà, vous collez vos capsules là et puis voilà, c'est bien pour l'entraînement, pour pas salir les autres. Comme ça les beaux, on les garde pour les photos. Ensuite, j'ai trouvé des petits stickers et 1,98€, je vais les ouvrir peut-être pour vous montrer. Ce sont des dollars. Faire des poses bling bling, c'est pas mal. Voilà. Des dollars, c'est trop mignon. Vous avez même des pièces. Alors j'ai trouvé, comme je me suis pris des gels plasticine chez Beautylux, mais j'avais pas les outils pour les travailler, pour faire du 4D, des fleurs en relief. J'ai trouvé cela, c'est un lot, il y a plusieurs modèles, hein, donc on peut travailler notre gel avec ça. Ah, pour faire les fleurs, c'est pas mal. Bon, c'est à tester. Hein. En plus, ils sont jolis. Petite paillette dedans. Voir ce que ça vaut, on verra. Alors, ça, c'est 2,53€ de l'eau. J'ai trouvé quelque chose de mignon, de trop joli. Ah, j'ai craqué. J'ai un peu craqué là. J'ai beaucoup craqué. Je vais vous montrer ça. Alors. Sortir là. Je vais vous montrer ça.
fait ça. Alors, c'est une citrouille, je pense. Hein. Pour faire les photos, c'est vachement joli. Regardez voir. Alors, je l'ai trouvé en blanc aussi. Comme ça, et là on va dire pour les citrouilles, la pièce elle est à 3,22 €. Alors j'ai trouvé des petites araignées en strass. Regardez voir comme c'est adorable. Je vais montrer comme ça. Voilà. Et je trouve qu'elles sont un peu grosses hein, pour mettre sur l'ongle. Alors il y a un lot de. Il me semble qu'il y en a 10 dedans. 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a 10 pour 1,40 €. 1,40 €. Alors j'ai pris chez le même vendeur, j'ai trouvé les plantes. Vous savez, pour mettre les petits diamants dedans, pour mettre la peau, pour plein de choses. Quoi. C'est l'eau de sein, 1,34 €. Après, j'ai trouvé des capsules d'entraînement. On peut justement coller sur les supports. Je les ai pris en blanc. Et en couleur naturelle. 2,41 €. Vous en avez, je crois, 200 à l'intérieur. J'ai repris des nuanciers. J'aime bien les pointus. Donc j'ai trouvé, c'est exactement les mêmes que je prends chez Frame Nails. Là, je les ai payés dans les 2 €, je crois. J'ai pas retrouvé le prix. Ensuite, je sais pas. Ça, je l'ai retrouvé dans un colis et je l'ai pas commandé. Donc, à mon avis, c'est un cadeau. C'est un petit cadeau du marchand. On a des petites étoiles, des lunes. Alors, j'ai trouvé un support diamant. J'en voulais un comme ça. Alors là, ils vous ont mis... ils vous mettent même la pâte avec le genre de pâte au col, là. J'ai trouvé un peu... Sur le site, il était un peu plus joli, hein. En vrai, il rend un peu moins, je crois. Bon, c'est pas grave. Là, il faut tester avec le machin. Ça peut le faire, quoi, pour une photo. Je préfère les citrouilles. Elles sont plus qualitatives. Après, j'ai trouvé une petite cuillère pour touiller le gel. Servir en gel, par contre, je crois que j'ai noté, oui, 1,90 €. Ouais, c'est trop mignon. Oui, c'est peut-être que je vais la sortir, on verra mieux. J'y arrive. Voilà. Petite cuillère pour touiller. Petit diamant en bout. Après, pour le stamp, j'ai pris un latex. Par contre, j'ai plus le prix en tête. Je l'avais commandé rose, il m'a envoyé en blanc, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, j'ai trouvé un vernis en pot chez Born Pretty. Celui-là, il faudra que je le teste. C'est un 9D. Vous montrer l'intérieur, mais par contre je suis un peu déçue, c'est il n'y a pas beaucoup dedans parce que pour le prix 2,58 €, mais il a l'air très joli. Je le testerai et puis je vous montrerai. J'ai pris du foil aussi, j'ai craqué sur du foil. Alors celui-là je l'ai vu chez une dame
polonaise toujours. J'aime bien regarder les prothésistes de l'Est. Elles font des choses magnifiques. Elles sont vraiment folles sur les ongles. Puisque nous. Oups, tout qui est tombé. Super. Ah, c'est pas grave, je vais vous montrer. Alors, c'est des marques. Burberry, je crois que c'est. Ah, vous avez des Mickey. C'est mignon. Hein. Des petits Mickey. Encore des Mickey. Avec des marques. Celui-là, il est joli aussi. Faire des ongles, c'est pas mal. Faites un ongle entier comme ça et puis du vernis sur les autres, c'est mignon. Voilà. Tout qui s'est déroulé, super. Ah, j'ai les autres, je peux les montrer comme ça. Je vais pas tout sortir parce que sinon ça va durer une éternité. Ah, le petit Mickey rose. Là, c'est mini. C'est trop chou. Je vais enlever là. Ça, on verrait. Ah, il y a du Dior. Louis Vuitton. Ensuite, j'étais dans la boutique MAC. J'adore ces boutiques. Je prends souvent des capsules chez eux. C'est... des capsules rondes et je voulais essayer les rondes mais pas trop longues parce que là où je travaille on peut pas vraiment avoir du long, donc on verra ce que ça donne. Des capsules américaines, j'en ai trouvé. Alors les capsules là, ils ont coûté 3,97 € et ce sont des capsules américaines, je vais vous en montrer. Et ce sont des dupes des capsule X, fameuse capsule américaine, les vraies quoi. Donc je voulais vous montrer quand même. Alors là j'ai pris des pointes, hein. Je voulais tester les pointes, j'avais pas encore testé les pointes. Voilà, ça donne. C'est pas mal. Alors ça, ce sont les pointes, des amandes. Alors pour AliExpress c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Action. Alors, moi, j'ai trouvé des palettes d'aquarelle métallisées. Regardez-moi ces couleurs. J'ai testé, mais je trouve plus les capsules sur lesquelles j'ai testé. Je les ai posées, je ne sais plus où. Et comme j'ai deux chats, ils ont dû les choper, je pense. Je vais les piquer et jouer avec. Si je ne range pas chez moi, c'est un... Avec ces chats-là, c'est même pas la peine. Donc, on a... plutôt dans les tons rose, violet. Pour celle-là, j'ai trouvé plutôt une autre, enfin plutôt une autre, n'importe quoi. J'ai trouvé une autre plutôt dans le gris, noir, doré, un peu couleur rouille, orangé. Mais c'est tout dans le métallisé. Mais... je vais sortir, hein. Je vais sortir, c'est mieux. Je verrai mieux. Voilà. Par contre, pour les prix, c'est moins de 2 €, je crois, la palette. Voilà. Donc là, c'est plutôt les tons verts, hein, vert bleuté. Les roses. Et puis les dorés. Voilà. J'ai une caméra qui a bougé. Les palettes. Ensuite, j'ai trouvé des feuilles comme là où je la même feuille que là qu'on peut coller pour faire un joli effet. Donc, je trouve que c'est génial. Donc voilà, vous voyez déjà celle-là. Bon, le prix, comme je vous dis, je ne sais plus, je l'ai plus en tête.
J'ai jeté ma facture. Alors vous l'avez aussi en rose satin, un peu gold comme ça. Moi j'aime bien le rose, je trouve que c'est magnifique. Rose fuchsia. Donc après j'ai trouvé plutôt en doré. Alors j'ai trouvé aussi des petits marqueurs dorés. J'ai trouvé que c'était pas mal ça. On peut dessiner, on peut faire des petits dessins sur les autres. Alors, des petites paillettes. J'en ai pris aussi des roses. Voilà. Des petites bouteilles, je trouvais ça mignon. On peut les sortir par là. Et puis après c'est des paillettes. Je vais pas tout sortir. Ça pour la Saint-Valentin, ça va le faire. C'est trop mignon. Après il y a celui-là, un peu plus dans le doré. Un peu laissé, un peu le même style. Hein. Vous avez deux de chaque là. Je trouve c'est pas mal. Ah j'ai trouvé celle-là aussi. J'ai trouvé c'est magnifique. Elles sont des beaux reflets. Hein. Il y a celle-là. Celle-là en incrustation. Ça me donne des idées. Je vais peut-être tenter un truc et je vous ferai un tuto. Bon, en cours des examens. Bon, voilà, celui-là encore. Alors, j'ai trouvé un truc. Je me suis dit, je vais tester. Et j'ai testé sur... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le washi tape. C'est des rubans qu'on peut coller un peu partout. Et moi, j'ai trouvé cela. Vous voyez, c'est des petits strass. Alors, moi, j'ai testé un truc. J'ai coupé dans la longueur, là. Et moi, j'avais testé sur, pour faire la longueur avec une barrette comme ça. Ça faisait ça. Un peu comme ça, là. Enfin, on peut faire des petites choses, je pense, avec. Et puis, ça avait tenu, hein. Je pense que si vous le mettez, vous remettez un peu de gel pour le faire tenir et puis ça peut tenir, ça peut être rigolo. Alors j'en ai pris en plusieurs couleurs. J'ai trouvé rose, rouge comme vous avez vu. Et celui-là il est trop beau. J'ai trouvé noir. Regardez comme c'est beau. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Bleu et doré aussi. Donc bleu. Et puis un doré. On peut faire des petits trucs sympas, je pense. Alors, j'ai trouvé un lot de... Je sais pas comment... Les Beauty Blender. Mais moi, je vais les prendre pour faire des baby boomers, des baby colors. Après, j'ai trouvé des marqueurs. On va voir si ça tient sur les ongles. J'ai déjà des charpies, mais pas dans ces teintes-là. Ça, c'est des métallisés, je crois. Si c'est métallisé. Un marqueur. Dans le système. Je sais plus. Mais j'avais fait un test avec, et puis je vais ouvrir des deux côtés. Et puis après, vous verrez, vous avez... Light pink, power pink, blush, ouais, un peu tout là, magenta, wind pink, rose red, fluorose et old red. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce haul. Moi, ça a été un plaisir de vous montrer tout ça. Si je retrouve les articles, les liens, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé, d'avoir pris le temps déjà. Donc merci beaucoup. À plus, portez-vous bien.